Il fallait voir. Roue à roue avec les bolides les plus terribles que j'ai jamais vus. Les chromes acérés comme des lames de rasoir luisant dans l'obscurité. Les armes vibrant sous les capots. Oh, le gentil comité d'accueil de Crass. Bois un coup, mon ami. Peut-être, mais ils auraient pas dû faire les marioles avec nous. Jack et moi, on est des superstars. Et on connaît du monde ici. On a... Merci. ...été invité à Crass pour la lecture d'un testament. Un mec super riche, du nom de Crow. Le chef du gang? Ouais, c'est bien ça. On était le bras droit de Crow à Abbeville, mais ce gros tas de graisse a clamsé. Bref, j'en étais où? Ah ouais! C'est là qu'on s'est fait encercler. Des effluves de peur hantaient les airs. Et il y avait aussi des relents d'autres trucs. J'ai dit à Jack, on va se les faire! Eh bien, cette ville a l'air terriblement dangereuse. Il faudrait prendre des mesures pour la sécurité. Ouais, mais bon, nous on n'a pas peur. C'est pas un petit gang de ringards qui va nous faire flipper. Vous étiez fait comme des rats. Comment vous en êtes-vous sortis? Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ah oui. Tu sais, les gens du coin n'aiment pas trop les petits prétentieux comme toi. Ils les préfèrent au fond de l'aquarium. Relax, les mecs. J'en ai plus pour longtemps. Tu l'as dit. Vous allez adorer la chute, jurez. Dax, grimpe vite! Jack! T'es dingue ou quoi? T'as flingué mon histoire! Vite! Ah! Qu'est-ce que t'attends, Jack? Crouille-toi! Tu devais rester discret. On est menacé de mort, Dax. Quelqu'un veut notre peau. Tu crois ça? Qu'est-ce qu'on attend pour rentrer chez nous? Jamais de la vie. Accroche-toi!